Salut à tous, c'est Darkomagician de MCF Aircraft, la chaîne Minecraft, et on se retrouve pour l'épisode 2 de Cubic World. Alors oui, bon, il y a eu beaucoup de moments de temps d'absence, j'ai eu beaucoup de temps d'absence, mais bon, excusez-moi, hein, des problèmes techniques et tout. Donc on retourne, alors qu'est-ce qu'il y a là? Un trou? Oui, je me souviens. Bon, allez, je vais mettre un peu en normal, comme ça, il y aura un peu plus d'action dans cet épisode, on va un peu plus... chez les zombies, même si moi j'aime pas ça. Je suis un quoi. Et donc je reprends vraiment les expressions sur Fantaibob. Déjà que je suis un Bob hédoniste. Je pense. Bon, allez, on va faire un peu de minage aujourd'hui parce que on a fait un peu de minage la dernière fois, mais on n'a pas trouvé grand chose. Et je remarque qu'il nous faut du fer. Et oui, on a que 2 lingots de fer. Je réorganise mon inventaire parce que moi c'est comme ça. À chaque fois que je réorganise mon inventaire, je m'en fous, je mets tout dans le coffre. Puis après, je reprends. Boulotte. Pourquoi je dis boulotte? Je boulotte. J'aime bien boulotter, même si ça veut rien dire. Enfin, je dis que je boulotte, mais je boulotte pas. Voilà. Donc, on va essayer de chercher un peu de fer pour nous faire une pioche en fer parce qu'il y a de l'or, si je me souviens bien. On a trouvé de l'or. Et de l'or, c'est chouette, même si ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Peut-être qu'on pourrait se faire des pommes d'or. Non, il n'y a pas assez d'or. Il n'y a pas assez d'or pour se faire des pommes d'or. Hein, pourquoi pas? Si, je peux faire des pommes d'or avec les pépites d'or, mais pas avec le bloc d'or. Ça, c'est pas mal. Mais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Un puits. Peut-être qu'on ira après au puits. Ouais, non, mais les outils en or, c'est dingue ce que c'est lamentable. Bon, on va voir un peu par là. Cool! Je suis tombé. C'est vachement cool. Oh, j'ai oublié de prendre ma pelle. Oui, je tiens aussi à le dire. À l'heure où je tourne, je suis en... je suis en 1.3. Normalement, à l'heure où je tourne, la 1.4 devrait arriver dans très peu de temps. Vraiment très très peu de temps. Mais à mon avis, vous aurez ça plusieurs jours après la 1.4. Parce que j'ai beaucoup de problèmes techniques avec cette map. Donc on va se prendre notre pelle, puis aussi une épée, j'ai oublié ça. C'est bien de partir miner sans avoir notre staff, hein? C'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Ok. Ça devient fou, je pense. Non, c'est vrai, on dirait une star bleacher. On met un peu de boost de partout. Oh, boule de neige. Comme Crafted Movie. Ouais, donc c'est bien ce que je me doutais. Il n'y a ni bouton, ni levier à l'intérieur. Donc en fait, quand on y va, bah, c'est un aller simple. Hein. On peut pas retourner. Il faudrait que je me fasse un bouton. Bon, c'est simple à faire un bouton. Hein. Je vais juste prendre Dollar Stone, monsieur. Oh, Piggy. Pourquoi tu t'en vas, Peggy? Donc, vous voyez, il y a bien de l'or, mais j'ai toujours pas de piège. Ah oui, ça, c'est la salle d'enchantement qu'on avait trouvé. On ramènera des bibliothèques, si jamais je trouve. Je dis beaucoup de choses, mais à mon avis, je vais faire à peine la moitié des trucs. Même pas la moitié des trucs. On va déjà essayer de trouver un but à cette map. Même si j'adore jouer à cette map, il faut que je trouve un but. Pour vous aider. Oui. Enfin, c'est moi qui devrais m'aider avec mes problèmes mentaux. Y'a rien dedans. Ah bah oui, on avait déjà fouillé. C'est quoi ici? What the fuck is that? Ok, bon. Bah on va aller voir. J'entends du zombie, j'aime pas ça. J'aime pas entendre du zombie. Je reviens. Un petit problème. Alors, bon. On va continuer. J'aime pas ce passage du tout. J'aime pas du tout ce passage. J'entends des zombies partout, il y a de la bedrock qui fait sombre. C'est bizarre.
La bite. 2 Halloween. Oui, j'ai envie d'être Halloween. Bah, à l'heure où je tourne, Halloween n'est pas passé, mais à mon avis, là où, à un moment où vous regarderez, Halloween sera passé. D'ailleurs, il fête Halloween dehors. Je suis bien normal, oui. On dirait que je suis en hard. Il fête Halloween dehors, regarde, tous les monstres ils se réunissent. Oui, à l'heure où je parle, Halloween n'est pas encore arrivé. Un bon film pour Halloween, même si Halloween est passé à l'heure où je montre cette vidéo. Un bon film pour Halloween, bah, c'est Étrange Halloween, Monsieur Jack, signé Tim Burton. C'est un vrai chef-d'œuvre d'animation. Et Tim Burton, c'est mon réalisateur favori. Vraiment, j'adore Tim Burton. Bon, alors, non mais Tim Burton, c'est vraiment un réalisateur génial. Pour moi, c'est le meilleur film, c'est Étrange Halloween, Monsieur Jack, même si, je tiens à rappeler, il ne l'a pas réalisé. Et oui, c'est Henry Selick qui l'a réalisé. Tim Burton a créé tout le monde, tout ce qui se tourne autour. Il était directeur artistique, mais pas grand chose d'autre. Qu'est-ce que je fais, moi? Je m'embrouille dans mes histoires de Burtonienne. Dans mes histoires Burtonienne. Mais pour moi, son meilleur, c'est celui-là. Parce que avant, il était pas si connu que ça. Hein. C'est ça qu'il a un peu fait découvrir. D'ailleurs, étant donné, Monsieur Jack est basé sur un poème qu'a fait Tim Burton. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, je me souviens qu'il y avait une trappe ici. Et Woot! Et Woot. Woot aussi. Woot. Non, oui. Parce qu'on m'a dit de venir ici. Des commentaires. Je me souviens plus de... Je crois que c'est Underkill 35. Ah oui. Je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre m'a donné beaucoup de commentaires positifs sur l'épisode 1. Et franchement, ça me faisait chaud au cœur. Parce que on est vraiment des tout petits youtubeurs. On n'est même pas des youtubeurs. On fait juste des vidéos Minecraft. Ça nous fait plaisir quand vous regardez ça. Et franchement, quand on voit que vous nous suivez et que vous... prenez du plaisir à regarder nos vidéos, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire, franchement, ça fait... C'est bien, c'est chouette. Donc, merci à toi, Underkill35, même si je sais pas si c'est vraiment... Si c'est toi ou pas qui a mis autant de commentaires gentils. Allez. Donc en fait, il y avait rien ici. C'était de l'arnaque. Je croyais qu'il allait y avoir un truc, tu vois. Rien. C'est de l'arnaque. Parce qu'il y a un petit minerai, un petit truc cool, un petit coffre. Non, même pas. Il n'y a rien dans la rivière. Ça serait bien qu'il y ait un accès quelque part dans la rivière. Ah, qu'est-ce que je disais? Oui, mais non, en fait. Oui, mais non, parce que j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Oui, j'ai vu aussi que... bon, moi, je l'ai vu juste avant de tourner qu'il y avait juste un panneau qui disait que... prendre un carte et y aller, mais le problème c'est qu'il y a des piggies sur la route, donc du coup on doit tuer des piggies. Comment on se passait de l'autre côté de la vitre? Piggy buggy, qu'est-ce que c'est qu'ici? Oh la vache, c'est l'end. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé un but à l'émission de Darko Magician Cubic World. Nous allons aller dans l'End à la fin de la saison. Je chante une chanson de victoire pour moi. Parce que moi, c'est une... Oh là là, il y a l'End, ça va, c'est géant. On va aller dans l'End, on va buter un dragon dans l'End, ça va être trop bien. Je sais pas quelle technique je ferai. La technique d'attaquer, tout simplement. Je sais pas, je verrai. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans ce puits, n'est-ce pas? Eh ben, dis donc, je suis tout content qu'il y ait l'end. Non. Bon, allez. Si, on y va. Oh là là, il y a l'end. Il y a pas grand-chose, en fait. Technique d'Hypierre. Oui, c'est Hypierre qui me l'a appris. Donc, du coup, moi, je dis que c'est une technique d'Hypierre. Parce que moi, Hypierre fait partie de mes youtubeurs Minecraft favoris. Posez votre tête contre un mur dans l'eau et mettez une torche et vous respirez. C'est cool.
C'est comme la technique des roseaux ou des panneaux. Ou... C'est cool. C'est cool. Hop. Ouais, bah c'est bien ce que je me disais, rien ici. Il y a strictement rien. D'un côté, il y a la grande wind avec l'end. Et de l'autre côté, il y a la grande lose avec le pluie. La grande lose. La suite de la grande vadrouille et la grande lose. Avec O de l'or. Avec O de l'or. Aude de l'or. Non, 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 non. Non. J'utilise beaucoup ce son, cette musique. De l'or, c'est chouette. Bon. Par contre, on est revenu au même endroit que tout à l'heure, en fait. Hein. Bon. Un peu d'exploration. Peut-être que je souffle un peu trop au micro, mais le problème, c'est que on m'a prêté un micro et le micro est super sensible. Enfin, et. What? Ah, zombie! Prends-moi, prends cette pomme dans ta face. Zombie! J'aime pas les zombies. Crève, zombie. Chou. Oh la vache, ça fait peur. Oui, je déteste les zombies. On torche à mort. On torche cette bouse à mort. Sans ne pas... Sans ne pas enlever, la retirer de son contexte. Je rêve aussi. Du diamant. C'est du diamant. Ta 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 ta. Pas du diamant. Mesdames et messieurs, c'est un super épisode de Cubic World. J'aurais dû reprendre cette série plus tôt parce que... Franchement, c'est super chouette. Oh, lave. Donc oui, je disais, j'aurais dû prendre cette série plus tôt parce que on a découvert l'end et on a découvert un diamant. Deux diamants. Il y a de quoi faire une pioche. Non, on fera une épée avec, ça sera mieux. Putain, l'Under Dragon. Mais le problème, c'est que je peux pas miner. Oui, il me faut du métal pour ça. Si ça se trouve, il n'y en a pas dans cette map. Si ça se trouve, il a mal géré ça, le mapper. Et ouais, c'est possible. Bon, je suis sûr qu'on en trouvera. Un brutal, ça suffira pour me faire une pioche pour prendre ce diamant. Par contre, quand je remonte, moi. Oh, Piggy. Comment je remonte? Oh, ça y est, j'ai trouvé comment je remonte. La colonne de bouse. Mesdames et messieurs, la bouse est mon meilleur ami. Je dis beaucoup mesdames et messieurs, j'aime dire mesdames et messieurs. Il y a énormément d'or. Pourquoi il y a tout cet or? Ça ne me sert à rien. Enfin, je trouve ça bizarre. Peut-être que j'ai mal réglé mon texture pack. Ah, parce que oui, j'ai un painter ali pack en fait. Et le painter ali pack, ça me... Je modifie mon texture pack avant tout. Peut-être que j'ai mal réglé mon texture pack. Et que j'ai mis à la place des minerais de fer, minerais d'or. Faudra que je réglerai ça. Le prochain épisode, il se mettra en pack normal. Comme ça, on pourra être sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un peu de torche parce que j'en ai plus. On va se préparer un peu parce que... On se prépare pour quoi? Je sais pas. Aujourd'hui, c'est minage. Comme le dernier épisode. De toute façon, cette série, c'est une série de minage. Surtout parce qu'il y a beaucoup de mines. Enfin, je pense. Il y a plein d'endroits où je suis pas allée. Plein. Oh, une araignée. Coucou l'araignée. Comment la Runton Flèche a pu... J'ai froid dans le dos. Bon, on va aller voir cet accès-là parce que... Pour voir s'il y a des trucs chouettes. Mouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de la production animale. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a de base, on a assez de viande. Pas besoin de prendre du blé, etc. D'ailleurs, il faudrait que je fasse cuire la viande. Un jour ou l'autre. On a déserté un peu de Piggy. On va revenir là. Plus tard. On reviendra à ce passage plus tard. De toute façon, je veux bien explorer cette map.
Probablement. Qu'est-ce que... Oh là là, je... Oui, mesdames et messieurs. Oh, tu arrêtes de dire ça. Même moi, ça m'horripile moi-même de dire ça. Oui, je suis... Je sais pas. Bon, allez, on va explorer ça. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais encore retomber sur un endroit que j'ai déjà vu 3 millions de fois. Qu'est-ce que fait une table de craft ici? Oh, sweet! Une épée en fer! Oh, une épée en fer! Un seau d'eau, des pommes! Oh yeah! Oh yeah! Du cuir! Oh yeah! Sexy! Oh yeah! C'est cool! C'est cool! C'est cool! Même si ça va pas me servir à grand chose, c'est cool! j'avais du chambre nucléaire. On ira une autre fois, on va se faire des trucs. Oh, de la bouffe! De la bouffe! C'est trop bien, il y a de la bouffe! C'est trop bien! De la bouffe! Apparemment, il n'y a pas ça en dessous, on va voir où ça nous mène. Ça va encore nous mener au endroit qu'on a déjà vu. Oui, ça nous mène au passage de l'End. Ça nous mène au passage de l'End. peut-être qu'on va aller là plus tard. Oh, de la redstone! Oui, mais malheureusement, il me faut une pioche. Ah. Ouais, il me faut bien une pioche en fer. Et ouais. Non, je peux pas miner ça sans pioche en fer. Non. Aïe! Tout tourne autour du fer dans ce jeu. On ira plus tard ici. Parce que là... Ouais, je vois pas de bouton. Je vois pas de bouton. Va falloir faire beaucoup de boutons. Beaucoup de boutons, beaucoup de leviers. On verra. On découvre plein de choses dans cet épisode. Du diamant, la nucléaire, le beurre, l'end, des coffres avec de la boue. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors... Encore de la bouffe. Bon, on va se faire un peu de bouton. Parce que les boutons, c'est cool. Moi, j'aime bien les boutons. Je dois l'avouer, j'aime les boutons. Mais pas les boutons d'acné. Juste les boutons de Minecraft. C'est marrant parce que la table de craft comme ça, on dirait un ordinateur. Ça. On attend que ça cuit, hein. Bien ça, il faut bien deux roches. Oui, parce que heureusement que 1.4 la recette changera, il ne faudra plus qu'une seule roche. Voilà, un petit bouton, c'est bien. 1.4 tu auras les boutons en bois. Bon allez, salut à tous, c'était Narcomagicien de MCF, Arcadage et Minecraft, on se retrouve bientôt pour Cubic World. À bientôt, avec l'End, et tout plein de trucs. Ciao, ciao.